Venons-en à cet enthousiasme collectif, voire obsessionnel chez les enfants et qui envahit les cours d'école. La folie pour les Pokémon. Ces petits personnages se collectionnent et s'échangent au point que certains proviseurs en ont interdit l'entrée dans les établissements scolaires. Un phénomène de société qui dépasse le cadre de la France et partout avec cette même frénésie, la Pokémania. Fanny Auverny, Thierry Breton. À la bourse aux Pokémon, on ne plaisante pas. Interdite dans l'enceinte de l'école depuis un mois, les transactions commencent dès 8h du matin sur le trottoir, devant la grille. Chacun doit absolument collectionner les 151 cartes du jeu, alors ça rend nerveux. Bah parce que, par exemple, si moi je vais échanger une carte et lui il ne veut pas, après il y a de la bagarre. Et comme sur tous les marchés du monde, il faut se méfier des petits malins. Il y en a qui c'est de la contrefaçon, il y en a qui a des cartes qui se décollent et c'est de la contrefaçon. Les cartes s'achètent par paquet de 25 à 60 francs. Certaines sont très rares. Les acquérir pour terminer sa collection tourne à l'obsession. Les enfants ont vite fait d'avoir sur eux de 100 à 200 francs de cartes. Ça génère des histoires passionnelles pour bon nombre d'enfants parfois, avec finalement des répercussions, y compris sur le travail en classe. Mais les enfants ont des alliés. Pour éviter que les cartes soient confisquées à l'école, on les laisse en lieu sûr. Donc pour pas qu'ils se fassent suspecter, c'est moi qui mets dans mes poches. Et je leur rends le soir quand ils partent. Les parents aussi sont mobilisés et harcèlent à leur tour les malheureux libraires en rupture de stock. Mon fils m'a parlé de ça et il m'a dit faut que tu viennes ici chercher ça. C'est donc... quoi le grand album? Il y en a qui passent tous les jours, il y en a qui appellent le matin, le midi, le soir. C'est perpétuel. En fait, la pénurie est savamment organisée par les fabricants pour faire monter les enchères. Rien de mieux que de créer la rareté. Tous les économistes vous le diront.